Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Jeudi le 23 juillet 2015, les marchés sont encore en baisse, que même ça accélère un petit peu. C'est pas très très joli là, le côté l'énergie, les mines, les aurifères. Ce matin encore sur Guru.tv, je spécifiais que moi je l'aime pas ce creux-là, je le sens pas. Pas solide, même si les titres aurifères ont arrêté, ont pas descendu hier, puis même s'ils leur descendaient, il n'y a pas d'acheteurs dans le marché, on ne voit pas, les secteurs jouent à la chaise musicale, pendant qu'il y en a qui tombent, il y en a d'autres qui remontent un peu, puis ça a toujours l'air de rien, mais on est quand même dans un marché baissier, là. Et on va faire le tour de ça, là. Le dollar américain, ce qui devrait aider les ressources, mais ça ne l'aide pas. Le dollar américain est en baisse, il n'a pas traversé sa tendance quand même, mais il baisse quand même un peu aujourd'hui. Ça pourrait arriver, rien d'impossible, puisqu'on a une grosse résistance là. Ça ferait du bien peut-être un peu au marché. Mais il se passe pas grand-chose sur les marchés, là. Bon, vous voyez ici, le Nikkei a rebondi un petit peu, le Hang Seng a rebondi un petit peu, puis ça fait toujours un marché sans direction. À Londres, up and down, mais il y a rien qui interrompt encore le cycle baissier. Du côté du SPTT, ça rebond, pas SPTT, mais du SPY, du SP500 ce matin, ça rebondissait, mais comme je disais, combien de fois ça arrive dans les cycles baissiers, qu'on ouvre à la hausse, mais on reprend à la baisse, puis c'est ça qui est en train de se passer pour l'instant. Donc, on est à côté ici, là, ça prendrait pas grand-chose pour retomber en cycle baissier et accélérer à la baisse, là, c'est ce que je pense. Et à mon avis, les marchés vont finir la journée négatif, toute la gang, même le marché du Nasdaq, donc, qui est encore un peu en hausse, mais je pense qu'on va finir avec une cote de même, là. En tout cas, les fonds transigés en bourse baissiers, là, restent intéressants, là, pour aujourd'hui. Le Dow Jones, de toute évidence, maintient son cycle baissier. Puis, je vois pas qu'est-ce qui va l'arrêter avant ça.
avant le bas. Et puis regardez le TSX là, qui a commencé un petit peu à la hausse ce matin, là, qui s'apprête à faire encore un nouveau bas pour la journée, malgré les situations survendues par les oscillateurs partout indiquant qu'on devrait avoir un rebond. Bien, il n'est pas là, le rebond, il ne se présente pas, il n'y a pas d'acheteur dans le marché. Bon, puis la nouvelle en Grèce, ils disent qu'ils ont adopté une deuxième série de réformes économiques exigées par les créanciers, blablabla. Puis c'est juste du blabla, finalement, regarde, ça descend pareil. On a un paquet de résultats financiers aujourd'hui, mais malgré que les résultats financiers sont bons, la majorité des titres tombent quand même, comme si... On s'en fout des résultats financiers. Avec les problèmes qu'il y a dans le moment, il semble que les analystes, les investisseurs semblent pas croire que les résultats vont se maintenir bons parce que GM, 1,8 à 1,29. OK, lui, il a décollé ce matin. Mais regardez, Dow Chemical, 82 à 91. Le titre est en décrochage. C'est bizarre, non? American Express, 1,33 à 1,42. Le titre aussi est en décrochage à côté où les vendeurs arrêtaient de vendre la dernière fois, mais ça semble vouloir... C'est pas positif, l'affaire. Freeport McMoRan, de 8 cents à 14 cents. Le titre est en forte chute. Oui, il y a 23% de baisse de revenus, malgré que les chiffres sont bons. Ben, tu vois, c'est des données comptables, là. On joue avec ça, ces affaires-là. 3M, la même affaire. 1,99 à 2,2. Le titre est en chute. McDonald's fait rien, malgré des chiffres de 1,23 à 1,26. Union Pacific, 1,35 à 1,38. Là aussi, lui aussi, il est en chute. Vous voyez comment c'est assez bizarre, là, cette affaire-là. Under Armour, 5 cents à 7 cents, puis lui, il est en feu. Donc ben, monte bien trop pour rien. Caterpillar, tiens, regarde ça, si on parle de souvent, Caterpillar a toujours été un indicateur genre économique. Là. Si ça se met à aller bien dans les mines, puis dans le pétrole, dans ces affaires-là, ben eux autres, Caterpillar, c'est de la grosse machinerie. Là. Puis là, regarde, ça tombe comme une roche. Ça fait que ça regarde pas bien. Oui, Chris. Ils ont baissé leur prévision à Caterpillar. Oui, bien, ça avait l'air d'avoir été prévu aussi parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours en ligne que ça baisse. Merci, Chris. Newmont Mining, tiens, qui est en train de briser la baisse sur des résultats tels qu'attendus. Valent Pharma, lui, est en hausse, par contre, de 2,47 à 2,56. Puis moins 18 à moins 10 cents pour Precision Drilling. Donc, lui, il s'améliore quand même. Mais le titre qui montait ce matin est encore sur le bord de repercer par en bas. Puis Rogers, 78 à 80, il a décollé ce matin, mais ça s'est tout annulé. Donc, les résultats financiers ne semblent pas avoir d'effet. Cisco, ça montre une petite affaire, mais ils ont juste vendu à une compagnie Technicolor leur modem câble d'affaires. Cigna, c'est une... je ne sais pas si c'est une rumeur ou si c'est vrai, mais en tout cas, il y a un rapport de Wall Street qui dit qu'il y a une offre d'achat de 48 milliards pour être faite sous peu par son rival, l'assureur Anthem. Puis Anthem, sur le bord de décrocher aussi. Donc, ça n'a pas d'effet sur les deux titres. Caesar Entertainment, ils ont été arrêtés de transiger 5 fois hier durant la journée. Puis aujourd'hui... Le titre est comme vit comme dans la torpeur. Plus personne ne sait où c'est que ça s'en va. Là. Regarde, c'est coincé ici. Puis, qu'est-ce qu'ils disent? C'est qu'ils ont chuté après qu'un juge ait refusé de bloquer les poursuites des créanciers contre l'opérateur de casino. Les actions de Caesars Entertainment Corp. ont été arrêtées au moins 5 fois mercredi en raison de la volatilité. Qualcomm, qui est aussi en chute, parti en spirale vers le bas. Ils ont déclaré qu'ils envisageaient des changements de structure organisationnelle puis qu'ils vont couper 1,4 milliard de dépenses suite à une baisse de 47% des ventes au troisième trimestre. La compagnie pourrait scinder ses activités, puis ils vont couper 15% de la main-d'œuvre et aussi ils vont couper 300 millions dans le programme de paiement aux employés là, par rémunération sur une base d'actions.
Et Tech Resources sortait ses résultats financiers ce matin à 83 cents à 85 cents. Au départ, avant l'ouverture, il avait l'air à vouloir ouvrir ici. Finalement, il a ouvert ici, puis là, il est rendu là. Comme le reste des mines, il a continué à chuter. C'est pour ça que je disais, autant sur le pétrole, sur les mines, que sur l'or, ce creux-là, j'y croyais pas, même si on était en survendu, parce que, même si les oscillateurs sont totalement survendus, parce qu'il n'y a pas d'acheteurs. On voit pas les acheteurs dans ça. Puis les chutes se sont faites sur des bons volumes. Puis il n'y avait aucun volume sur les hausses, si petites soient-elles. L'aube, là, c'était ses résultats financiers. Qui annonce 83 à 85 cents. Un texte à 11 à 14 cents. Puis c'est 83 à 85 cents, l'aube-là, mais ils vont fermer, je pense, c'est 50, 75 magasins? Excuse-moi, c'est écrit. Ils vont fermer 52 magasins non rentables au cours de la prochaine année. Bon, ils sont pas tout seuls. Hein? Il y en a bien d'autres. Qui ferment des magasins. Il y en avait juste bien trop. Là. Ils ont de la compétition féroce partout. Là. C'est, ça fait penser au Walmart puis au Target. Là. C'est la même chose. Dans le coin de chez nous, il y a trois Walmart à moins d'un kilomètre l'un de l'autre. Là. Ça commence à être un peu fou, l'affaire. Puis finalement, tout le monde se ramasse dans le plus gros. Et bon, on a Spectra. Il y a une nouvelle là-dessus. Ils ont reçu l'approbation finale pour l'inscription des actions ordinaires sur la bourse de Toronto. Là, ils sont sur croissance. Ils s'en vont sur Toronto. Le 23 juillet, c'est aujourd'hui. Les actions et les obligations de Bombardier ont chuté hier. Pourquoi? Là, tout le monde se posait la question. Bien, regardez, ce qu'ils ont réussi à sortir comme nouvelle, c'est que c'est à cause de la faiblesse de la demande pour les jets d'affaires, qui est un pilier générateur de profit pour l'entreprise, qui éprouve des difficultés à développer son premier avion de ligne commerciale de la série C. La série C pour cauchemar. Et voilà. J'ai joke, j'ai déjà fait ce matin. Bon. On fait le tour de nos secteurs. Regardez, USO, là, ça finit. C'est pas fini encore. Moi, je pense que ça va se rendre jusqu'au moins jusqu'au support en bas. Même si on avait un petit creux ici, là, ben ça a décroché hier, puis ça continue quand même à rester glissant. Le secteur énergie, d'ailleurs, est en chute aussi, continue. C'est toujours des nouveaux bas, là. On ne sait pas où ça, que ça va s'arrêter, parce qu'il n'y a plus de point de repère, là. On ne voit pas le fond du baril pour l'instant. Puis le gaz qui a bien essayé de se faire inverser sa tendance ce matin, il s'est montré le bout du nez ici, mais est quand même revenu à la baisse et attendons un mouvement fort et solide là, avant de s'embarquer là-dedans à la hausse, on s'entend. Et du côté des orifères, ben vous voyez l'or là qui a cessé un peu sa chute, mais encore, ça s'est essayé ce matin, mais ça a dégonflé. Regardez, on a fait une petite affaire de même, là, puis on est revenu encore sur la base. Et puis, les titres qui s'étaient arrêtés hier, qui depuis trois jours se tiennent dans cette formation-là, ben ils sont revenus sur le bas de la journée. Là. Ça fait que je pense que c'est même pas fini pour l'or. Quand je disais encore hier aussi, je l'aime pas ce creux-là, j'y crois pas à ce creux-là, parce que l'or continue à descendre. Donc, on voit qu'il y a du support de la part des institutions sur l'or, mais il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas d'achat. Donc, on le verra bien. Pour avoir un signal d'achat sur l'or maintenant, sur les orifères, il faut que ça passe ici, là. Puis là, au contraire, on est en train de vraiment tester le creux là, de ce mouvement-là, là, qu'on voit un ici à très court terme, puis là, un peu plus long. Ça, c'est un graphique en 15 minutes. Ça, c'est un graphique en quotidien ici. Ça fait que... Puis c'est pas hot, là. Regarde, il y a de la pression à la baisse encore sur les titres orifères. Regardez, c'est Mafo sur son bas des quatre derniers jours. Agnico Eagle, la même chose. Eldorado, Franco-Nevada, Goldcorp, Premier Gold. Hey, sont toutes pareil, ils sont tous à côté sur le bas. On dirait que. Surveiller HGD, le Beta Pro qui monte quand les orifères descendent. Il y en a déjà quelques-uns qui ont fait une belle passe. Mais dans le pétrole aussi, rappelez-vous qu'on avait, je me souviens plus, 14-18% des gens qui avaient des positions baissières. Oui, il y a deux jours, j'ai dit, hey, prenez des profits là-dessus, mais gardez-en.
Ben oui, ça continue encore. Puis on se prépare peut-être même à faire un autre trade à la baisse sur les orifères. Laissons le mouvement prendre place comme il faut. Sur les mines, ben c'est encore l'hécatombe. Ça continue encore à chuter. Ça chute toujours. Ça va probablement se rendre jusqu'en bas, là. Et puis, donc, tous les titres sont encore en chute, là. MD, Major Drilling, Tech, Hudbay, First Quantum, Tao, name it, regarde, peu importe, ils plantent tout. Il y a peut-être juste Turquoise. Là. Même Turquoise se permet de chuter jusqu'à son support aujourd'hui. Ça reste le plus fort, mais pour l'instant, on n'en achèterait pas parce qu'il est menaçant lui aussi. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Ce qui n'aide pas les marchés, c'est que ce matin, les demandes initiales de chômage, c'est-à-dire ceux qui font une demande pour avoir de l'assurance chômage, là, sont en baisse. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de chômeurs, qu'il y a plus de monde qui travaille, puis ça va forcer la Fed à augmenter les taux d'intérêt. Puis c'est ce qui fait peur aussi au marché présentement. Tout le monde le sait que les taux d'intérêt vont monter, puis ils n'arrêtent pas de dire quand, plus tard, à l'automne, là. Mais regarde, faut pas attendre qu'ils nous sortent les nouvelles. Il faut regarder ce que les institutions font. Puis regarde, ça fait un bout que les institutions, là, ça floche des titres. C'est toujours comme ça, les bear markets. On le comprend à mesure qu'ils arrivent, mais on l'a vu arriver, là. Et puis, tiens, on va tomber dans des questions. Léo, ITS et PWT sont-ils un bon achat? Bon, là, tu sais, la plupart des affaires que le monde va demander si c'est un bon achat, la réponse va être non. On s'entend, à part des exceptions, mais on va regarder quand même parce qu'on est en marché baissier. Lightstream, OK? Non, c'est sûr que non. Regardez, pourquoi on achèterait Lightstream? Il accélère en plus à la baisse. Et puis, regarde, c'est une compagnie qui va mal. Puis là, elle est à côté à son bas de l'année, à 71 cents. Regarde, il n'y a rien d'intéressant là, pour l'instant là-dedans. Là, c'est signaux de vente après signaux de vente. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, hier, c'était sur un creux. Les questions viennent d'hier. Donc, on aurait pu penser, bon, c'est en situation survendue, mais regardez, il était survendu ici quand le titre était là. Puis, il a chuté encore plus loin, puis le stochastique, il se déplace en bas. Puis, il va rester en bas tant que le titre va planter. Ça, c'est super risqué d'acheter ça. Puis PenWest aussi, parce que regardez, là, aujourd'hui, il tombe, il est sur son bas de l'année, puis sur le au point où en janvier, en mars et encore il y a 3 jours, les vendeurs ont arrêté de vendre à ce prix-là. Puis après ça, ça a reparti. Mais là, oups, regarde, j'ai l'impression qu'on pourrait décrocher sur un autre niveau. Ça fait que... Il faut faire attention à ça. C'est prématuré d'aller acheter ça là, pour l'instant. Écoutez, ça paraît pas cher, là, mais faut au moins, regarde, je vais vous envoyer ça dans le futur un peu, là. Puis je pense pas qu'on devrait même penser à acheter ce titre-là là, tant et aussi longtemps qu'il resterait pas là, puis qu'il partirait au moins comme ça, puis encore là, de même, puis de même, puis de même, là, OK? Tant qu'on n'aura pas un début de tendance haussière, ça reste super risqué.
IBM 165,50, stop. On va vous checker ça right now. IBM. 165,50, stop. C'était hier, votre question. Et quoi ça veut dire? À 165,50, vente stop. M'enlever mon zoom, là. 165,50. Ben là, je comprends pas, parce que 165, c'est ici, puis 165,50, c'est là. Puis là, le titre est là, puis même hier, il était là. J'arrive pas à comprendre votre question, Lynn. Parce que... En réalité, il est déjà passé, là, ce prix-là. En tout cas, il y aura encore un autre signal de vente sur en bas de 160$ sur IBM. Que faire avec Bombardier? Je n'ai aucune idée qu'est-ce que vous devriez faire avec votre Bombardier. Bombardier a donné des signaux de vente, par-dessus signaux de vente techniques, là, depuis plusieurs, depuis longtemps, là. Ils ont eu son premier signal ici, là, le 29 juin, puis après le 9 juillet, puis encore le 21 juillet. Puis là, ben est-ce qu'il va aller plus creux que ça? Ça, j'ai dit hier, je disais hier, possiblement là qu'on aurait un creux, c'est pas super fort. C'est comme un trop loin, ça, là, ça arrive souvent, un petit V-shape de même, là, son vrai creux, moi, je dis qu'il est à 1,65. Mais là, il se prépare, il essaye de, j'ai l'impression qu'ils vont tout faire pour essayer de faire changer la situation. Pour le moment, je vous dirais que l'hécatombe s'est interrompue, puis à 1,60, en bas de 1,65, en descendant, pour ceux qui sont là-dedans à court terme, c'est un signal baissier à 1,65$. Mais d'un autre côté, dans le très, très, très court terme, là, pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux et qui veulent le trader à la hausse, ben, il y a un petit signal technique là, à 1,80$. 1,78$, pour être plus précis. Pourquoi HVU ne monte pas? Ben, c'est parce qu'HVU, même si le SPY descend, ça veut dire que le marché semble pas y croire que le marché va descendre. En tout cas, c'est ce que je pense, là, parce que, tu sais, HVU, ça va avec la quantité d'options de vente sur le SP500. C'est un peu compliqué, ça va pas directement sur le SP500, que je vais prendre le SPY ici pour le montrer. Tiens, regarde, je vais envoyer ça dans ma liste ici. Puis on va regarder HVU, puis on va l'envoyer là aussi, puis on va les comparer tous les deux. Puis en général, quand on voit ça, bon, l'indice SP500 descend, puis H... Oups, j'étais un peu, je ne l'ai pas mis, il est ici, bon, OK. HVU, le SP500 descend, donc HVU devrait monter. Parce que c'est... Mais c'est pas ça qui se passe. Fait que, il est complètement déboussolé, le HVU, là. Je pense qu'on devrait s'en tenir loin, là, parce qu'il y a une... Je sais pas pourquoi il monte pas. Est-ce que si le SP500 puis le Dow Jones accélèrent à la baisse, là, le HVU va finalement décoller? Je sais pas. Même qu'il continue à descendre pendant que, en même temps que le SP500, ce qui est contre toute logique. Mais pour l'instant, en tout cas, il y a un signal de vente à 2,90 et moins sur HVU, puis je pense pas qu'on devrait s'embarquer là-dedans avant qu'on pogne au moins les 3,20$, là. Puis pour une raison ou pour une autre, là, ça a l'air d'avoir perdu beaucoup de popularité, le HVU. BCA U, Robert, c'est quoi vous demandez là? BCA U, je comprends pas. BCA.U, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça pendant la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, je pense avoir trouvé, là, qu'est-ce que Robert voulait. BCA, c'est BCA sur le marché américain, je suppose. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez savoir avec ça, mais regarde, comme le reste, ça descend. Puis en plus, ça menace un support super important. Ce stock-là pourrait se ramasser à 13,57$. Si vous aviez l'idée d'acheter ça, je pense que c'est pas une bonne idée. Bombardier ressemble à Air Canada, faillite déguisée. C'est trop vrai ce que vous dites là. C'est bien trop vrai. Parce que moi, je le sais, je l'ai vécu à Air Canada. Là. Je l'ai assez tradé dans ma vie à Air Canada. Là. Je peux vous dire là, que dans les années 90, là, Air Canada, ça partait de 4$ à 14$, puis ça retombait à 4$, puis ça remontait à 14$. Je ne sais pas combien de fois que ça a fait ça. Puis à un moment donné, oups, il est arrivé à 2$. Puis après ça, là, il a planté à zéro. Puis là, ils l'ont fractionné, je pense que c'était consolidé 999 pour un. Pouf, tout le monde a perdu leur argent là-dedans. Puis là, pouf! Ils l'ont ramené à la vie. Ils ont réémis des nouvelles actions à 25$ l'action, genre, quelque chose de même. Puis ils en ont fait une neuve avec. OK? Bien. La compagnie, elle, n'a pas l'air, ouais, ben changé. Elle est toujours restée là. C'est juste le monde qui a perdu leur argent. Puis, Bombardier, c'est pareil. Elle est encore là. Toutes les usines sont là, les avions sont là, tout continue. La seule affaire, c'est que ils ont bien de la misère à emprunter de l'argent en vendant des actions là quand les actions valent une pièce et demie, là, ça, c'est sûr. Et puis, ce que vous dites là, regarde. Qui sait, hein? Qui sait? Là, ce qu'on pense, nous autres, c'est qu'ils vont scinder ça, cette affaire-là. Ils vont séparer les trains du transport. Ils ont déjà séparé le transport, mais ils vont séparer les trains des avions, fort probable, là. Ou ils vont te relancer ça. T'sais, on va y aller sur Bombardier encore une fois, là, dans le secteur industriel, BBD.B. Et puis, regarde, là, il vaut 1,74$, là. Bon, bien, il pourrait consolider ça 1 pour 10. Vous ramasserez avec 10 fois moins d'actions, mais il vaudrait 17,40. Tu sais, mettons, c'est ça qu'ils font. Là. Ils consolident dans ce temps-là pour que, OK, la compagnie, elle serait belle. Tu sais, est-ce qu'ils vont le faire? Je ne dis pas qu'ils vont le faire. C'est parmi les possibilités. Est-ce que ça va changer quelque chose? Pas en tout. Vous auriez plus d'actions, mais la compagnie continuera à aller mal pareil. Est-ce que la compagnie va s'en sortir. Est-ce qu'ils vont arriver à faire quelque chose? Bien, ce sera le graphique qui nous le dira, mais il faudra qu'on voit des signaux à l'envers de ceux qu'on a vus là. Que tant qu'il n'y aura pas des tendances haussières sur Bombardier, bien, on est mieux de ne pas toucher à ça, en tout cas. Mais c'est sûr que c'est désolant pour les gens qui sont en amour avec, puis qui perdaient trop, puis qui disent « ça va revenir ». Encore pire, mes condoléances à tout le monde qui en ont racheté en descendant pour baisser leur moyenne. Là. Cette espèce de méthode stupide, souvent préconisée par des courtiers, et qui fait que j'ai vu bien du monde se laver à net là, avec des stratégies comme ça, quand on se rappelle dans le temps de Lavalin qui avait fait faillite, de Steinberg, entre autres, et de tant d'autres grosses compagnies même qui sont mortes. Est-ce que c'est un go pour un Barrick et Tech? Non! Non, ça plante. Regarde, attention, pas de go là-dedans. Achat dans la faiblesse des banques. Non.
Non! Écoute, regarde, c'est un parachute que ça prend, là, parce que là, les banques, ça s'en va là, en bas, là, OK? C'est ça que le marché est en train de nous montrer. On est en accélération de tendance. OK, peut-être qu'on aura un petit rebond ici, là, mais bien trop risqué, bien trop risqué. On est en marché baissier, là, OK? On voit bien la peur, là, des à court terme sur le marché. Ah, HVU montre que c'est l'indice de la peur qui montre que le monde n'a pas peur parce que ça s'améliore en Grèce, puis ci, puis ça. Mais quand je la comprends pas, la passe d'HGU. Moi, je dis qu'on est en bear market, là. C'est tout. À part Nasdaq, là, qui est tout seul dans sa game, les marchés regarde, Nasdaq est rendu négatif, hein, je l'avais dit. Il est rendu négatif pour la journée. Dow Jones continue à planter. Il est à 80 points. Puis le TSX à moins 100. Regarde, on ne sait pas où c'est que ça va s'arrêter, cette affaire-là. Attendez que au moins que ça s'arrête. Achetez rien, là, à la hausse pendant un bear market. Et surtout, pendant un cycle baissier qui n'est pas fini. OK? Quand il sera fini, on en parlera. OK. Bon, on va me faire pogner les culottes à terre sur une journée, les marchés ouvrent de 200 points à la hausse, mais il faudrait bien trouver, il prendrait bien une bonne raison pour que ça arrive. En attendant, c'est trop risqué. Le temps d'acheter BHP Billiton, ben oui, non plus, ça plante, pétrole, tout tombe, les matériaux, les pétroles, les orifères, toutes les ressources s'en vont sur le diable, CPG, puis Crescent Point, c'est pareil, regardez ça, schling, puis même le cycle baissier ici, wow, encore, puis regardez la force des volumes sur ces mouvements-là, ben trop risqué. Pour l'instant, les seuls qui font de l'argent, c'est les gens qui se sont placés baissiers à jouer le marché à la baisse. CRH, la dernière question. CRH médical, on conserve ça, on ne l'achète pas tant qu'il ne repart pas au-dessus de sa résistance, puis il est rendu déjà pas mal haut. Mais non, il n'y a pas de signal d'achat aujourd'hui. Là. Il y aura des signaux d'achat quand il passera au-dessus de sa résistance. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve demain dans le feu de l'action.